gens ne te disent que ce n'est pas loin. Calme-toi, on va aller. Le coin il a un high, c'est bien, bien même pour toi. Tu as dormi. Mais petit frère Nandis, conviens pas. Moi, je t'ai dit que je veux aller à un endroit confortable. Mais regarde le quartier, regarde la route. Toi, tu me brings où? Grave, tu connais tout Ndjamena, c'est comme ça. Donc, toi, tu connais. On mais tout Ndjamena, moi, je t'ai dit que je veux un endroit confortable. C'est la même chose, c'est la maison, tu veux où? C'est la route que tu veux. Mais petit frère, regarde, comment c'est un peu un problème d'argent. Mais toi-même, regarde la route. Je veux un truc au bord de la route. Je te jure. Allah wallahi, la maison est propre. Il y a tout. Il n'y a pas les chiens. Il y a tout. Tout est confortable là-bas. Petit frère, avant, allons, non? Donne-moi. Et t'as même d'abord dit de louer une voiture. Tu viens avec. Oh, grand frère, si on loue une voiture ici, là, on vient et puis avec la boule, là, si on se calme, on va faire comment? Mais petit frère, allons. Toi, tu viens d'arriver, tu fais des trucs. Si tu ne veux pas, on n'est pas plus. C'est mais allons-y, non? Alors? C'est ici la maison, c'est ici. C'est ici? Oui, c'est ici. Clean, il y a tout. Tu vois, tout est bon. C'est bien ici. Tout est confortable. Tu peux dormir là où tu veux. Tu veux faire tout ce que tu veux. Petit frère, ça c'est le confort. C'est le confort, allez. Mais petit frère, ça c'est le confort. Grand frère, tu n'as même pas encore vu la chambre, tu me frappes déjà. Si c'est comment là, on repart alors. Allons alors. Regarde, oh. Tout ça t'appartient à la maison, tout ça. Regarde, regarde, toi tu vois. Je t'ai parlé, je dis, il y a une belle maison ici, tu peux dormir. Regarde, tout ça c'est pour toi. Yes. Mets la clim, non. Il fait chaud. Regarde, on a coupé la lumière, ce n'est pas notre tour aujourd'hui ici. Ici, là, quand on coupe la lumière, c'est un jour, deux jours, trois jours, on ramène. Donc, c'est comme le tambola. On donne ici, on coupe ici, on ramène ici. C'est pas notre tour. Et petit frère, quelqu'un va faire comment avec la chaleur? Ils n'ont pas de groupe électrogène. Il n'y a pas ça. C'est comme le tambola. On coupe ici, on ramène ici, on coupe ici, on ramène ici, la lumière. C'est ça que tu m'appelles le confort, le standing. Ah. Mais si c'est le confort de Ndjamena ici, mon frère, ça ne vaut pas la peine. Allô, Boyka? Yes. Gars, je viens d'arriver comme ça. Il y a à peine une heure. Ouais, je suis dans un quartier là. Moi, je ne connais pas le nom du quartier, bro. Je suis dans une suite. Hein, toi, tu es où? Hôtel La Persévérance. Gars, je vais voir comment prendre une moto là et puis si je peux venir là-bas. Ok, tu dis Hôtel La Persévérance. L'accès c'est à 7. Kaché Chagua. Ok, bro. Je vois comment prendre une moto là, j'arrive. Yes, tout à l'heure. En bang bang. Donc il y avait même un hôtel comme ça ici en Ndjamena. Et le petit Bento là est parti me jeter dans du n'importe quoi. Ok, laisse-moi d'abord aller. Bonjour monsieur. Ah, yes. Soyez la bienvenue à l'hôtel Persévérance. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis venu voir mon frère qui habite ici. Il reste ici, il m'a dit qu'il est ici. D'accord, il est dans quelle chambre? Il est dans la... Si c'est 300, il s'appelle Boyka. En attendant, prenez place. La réceptionniste va lui signaler que vous êtes là. Ok. Salut. Oh, grand cas. Oh, Boyka. Oh, grand cas. Yes. C'est comment, mon frère? Mais me voilà en Ndjamena, que je ne vois même pas un de mes gaza pour qu'il m'amène, il me montre le système d'ici, non? Et toi, tu es logé où depuis là? Je ne te vois pas là. Le petit Bento là m'a amené dans un trou à rats, dans un quartier avec les poubelles, les caniveaux, mon frère. Il me dit que c'est seulement voilà, le seul luxe qu'on a ici en Ndjamena. 50 colos. Mais mon frère, 50 colos. 50 000 la nuitée. Alors que ici à la Persévérance, la référence même des hôtels ici en Ndjamena, la chambre la plus chère, c'est à 55 000.
avec le déjeuner, la nourriture, tout est dedans. Climatisé, il y a tout, mon frère. Bon, moi-même, je suis arrivé, je suis en train de voir là que c'est la clim d'abord qui m'accueille avec toute la chaleur de Dieu. Non, mais si c'est bon, c'est le haut niveau. Ah, combi, 50 colos qui me prend là-bas. Là, on profite carrément et je monte les chambres. Non, c'est bon, on go, viens voir. Bienvenue à l'hôtel Persévérance, l'établissement Persévérance situé dans le 7e arrondissement sur l'avenue Mathias Ngarteri est un cadre parfait pour vos hébergements, restaurations et loisirs. Vous avez une gamme de prestations très modulaire sur la base d'une tarification attractive défiant toute concurrence. On vous loge dans des chambres confort, prestige, grand standing, VIP et suite senior, toutes climatisées et équipées de matériel de luxe. Des restaurants par somptueux vous réservent des surprises gastronomiques incroyables au rez-de-chaussée et à la terrasse, une boîte de nuit de haute gamme ouverte de jeudi à dimanche ainsi qu'une salle de spa équipée vous réserve des cadres de distraction plus idéales. Pour vos ateliers et conférences, une salle de réunion de 50 places et une salle de conférence multimédia de 200 places sont mises à votre disposition. L'établissement La Persévérance possède également un parking sécurisé pour vos engins et un jardin de 500 places pour toutes vos cérémonies et manifestations. Nos clients aussi ont la possibilité de surfer 24 heures sur 24 grâce à notre connexion internet haut débit. Le tout avec un personnel ultra sympathique, courtois et très proche des clients. Yes. Et bientôt. Mon petit. Bah mon petit, viens me donner mes dos. Moi, il ne reste plus ici. Et j'avais mon argent, mouf. De toutes les façons, trouve-moi à l'hôtel La Persévérance. Tu me donnes ça là-bas. Oui. Moi, t'as dit qu'il ne veut plus, il ne reste plus ici, bro. Viens avec mon agent. Donne-moi mes dos. Tu connais, non? Tu connais si tu ne donnes pas mon agent, petit frère.